Il fait pas vraiment rêver ce château, hein, personnellement. Enfin, le paysage est sympa, mais j'aimerais pas y habiter, quoi. Je t'expliquerai offline, mais on a le bon créneau là. Ok, pas de problème. Bah, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on peut se caler un rendez-vous Discord, je sais pas, soit, Mélie, tu peux le faire? soit Ça marche. dans la soirée, soit demain, si tu veux. Kira. C'est bon. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui pue. C'est D'accord. vrai, oui. Ça marche. Pas de soucis, bah cool. Et Je tu vois connais pas ce jeu pourquoi. du coup? Ah, l'éclair. Ok. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Vous rigolez? Oh là 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 là, j'aurais peut-être dû me dépêcher un peu, mais. Non, c'est bon, ça passe. Ouais, il est pas mal, l'ambiance est vraiment cool, c'est un peu. Bon, pas vraiment similaire à l'autre jeu auquel je jouais, Hellblade, mais c'est un peu un jeu où. T'as une ambiance un peu oppressante, flippante, etc. C'est moins axé sur le combat. T'as des espèces de mini-énigmes, la gestion des rats, de la peur de ton petit frère, etc. Qui est intéressante à gérer. Ok, je pensais réussir à passer, j'avais pas vu que c'était bloqué au bout. Alors attends, attends, ce que je vais faire c'est que ça. Hop. J'en vivais ici. Relevons. Oh, allez, Ok. c'est le moment. Allez. Trop loin pour passer en hiver. Non, je l'ai raté. Non, c'est bon. Ça marche, à plus Joko. Merci d'être passé, ça fait plaisir. Parce que c'est ça, Urk. C'est un emoji que moi j'ai pas encore parce que je suis trop peu connu. Ok, y a rien à récupérer ici. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs sièges. Ira Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Ah oui, je te confirme qu'il y en a un, mais j'ai pas encore trouvé. Donc cette pièce, on peut l'ouvrir. Non, d'accord. Mais je peux demander à la crocheter, ok. Ouais. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Bon, arrête oh, de te plaindre. Il y avait quelque chose de vivant là-dedans. C'est ouvert. Ok. Alors. Tous donner rendez-vous ici, on Ok. dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie? Du moment qu'on les dégage. J'ai pas bien compris ce à quoi ça me servait, puisque je vais les amener ici. Ah oui, d'accord. Ok. Compris, compris, compris. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Ouais, mais fais pas trop la maligne quand même, hein. Ok. Bon, de toute façon, c'est. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Allez. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier. Courageuse mais pas téméraire, hein. J'ai compris. Alors j'en fais quoi de ce putain de bâton? Il me sert à quoi ce putain de bâton? À part aller là-bas, d'accord. Ok.
Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Ouais, mais elle est où, Mélie? Mais elle est sous ma gueule, elle est pas passée avec moi? Attends, il y a un truc que j'ai pas compris, elle ne m'a pas suivi en fait. Alors, bug du jeu ou s'il y a un truc que j'ai pas compris là? Putain. C'est chier ça, on n'a pas envie de faire ça. Hein. Putain. Bon, maintenant tu te bouges le cul, on y va? Non? Tu viens? Reste ici. Je fais vite. Tu peux venir. J'arrive. Eh bien! Il y a un truc que j'ai pas compris là. Il y a clairement un truc que j'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas compris. Ok, on va mourir. Je pense que c'est un bug. Elle est censée venir avec moi, on est d'accord. Hein. Ah là là, faut que je refasse tout. Ok. C'est un peu couillon, mais bon. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enquête. Ouais. Ok. Est-ce que une fois que j'ai ça. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première. Une fois que j'ai le feu au niveau du bras zéro, je peux aller que à droite. À gauche, y a rien à allumer pour me protéger finalement. Je pense qu'on est vraiment obligé de faire ce que j'ai fait. Je vais vérifier, mais là il n'y a vraiment rien. À moins qu'il faille utiliser la torche pour avancer, pousser les rats, les faire tomber ici. Mais je pense que le bâton va pas durer assez longtemps. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, la meuf, elle est où là? Ouais, d'accord. Ah, y a un truc que je dois pas comprendre là. Ok. On va revenir vite avant de crever. Donc ça ne marche pas du tout ce que je pensais faire. Hop. On prend ça, on allume là, et on va allumer le bras zéro là-bas. Bon, jusque-là, j'aurais fait tout ce qu'il faut. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Ok. Et ça, le bras zéro, je ne peux pas le pousser. Du coup, comment faire? Besoin de Mélie pour le pousser.
regardez ça. Oh. Attends-moi là. Attention, viens, c'est bon, après toi. Bah tu viens ou tu viens? Ah oui d'accord, peut-être qu'il faut que je les pousse complètement. Bon, il y a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Ok. Oh non, il y avait pas de bug en fait, j'ai pas compris le but du jeu. Parfait. Allez, aide-moi à pousser. Alright. Alors. Voyons, voyons. Parfait. Non, mais je suis déjà full. Oui, d'accord, mais. Oui, mais c'est surtout qu'il faut que je l'allume, quoi. Très bien. Alors, je te couvre avec le brasier. Ok. Toi, tu me couvres avec le brasier. Que si je fais l'aller-retour là je vais pouvoir les tuer. Ok. Ouais bon. Ok. Donc c'est surtout. Je vais descendre. Ouais, la routine quoi. Dis-moi quand t'es prête. Moi quand t'es prête. Ok. Est-ce que celui-là je peux le pousser? Je ne sais pas. Par contre, elle a dit qu'elle pouvait monter sur le rempart. C'est ça qu'elle disait pouvoir escalader? Rempart. Ah non, il y en a un autre là. Ok. Ok. Non mais ça c'est là où j'étais tout à l'heure en fait. Non. Non mais du coup comment je fais pour le déplacer ce truc, je ne peux pas, il faut que j'arrive à monter. Il faut que j'arrive à la faire monter là-haut, d'accord. Ah. Comment je fais? Comment je fais? Comment? Un truc que je comprends pas là. Elle m'a dit qu'elle pouvait monter. Alors pourquoi elle monte pas cette conne? Ah! Ok. D'accord. Bon, tu montes ou... Merci. Hop, parfait, perfecto Macias. Hop, 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 hop. On a même récupéré du tissu, c'est perfecto. On a fait le stock de pierre, c'est parti, on y va. Mélie, je vide l'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Ok. Ok, des trucs à ramasser. Oui. Oh là 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 là, je suis un génie du mal. Ficelle et kit. Et c'est parfait puisque je peux le faire partout maintenant. Mais la poche, il me manque encore 3 tissus. Et ben, on va attendre de les avoir. Et dès qu'on les aura, on construira ce truc là.
Parce que ça sert vraiment à rien. Et ça va nous prendre du tissu, donc ça nous intéresse pas. Il y aurait les pochettes. Ça, c'est fort. Ça nous demande du cuir et de la ficelle. 4, donc il nous en reste 2. Donc ouais, on n'aura clairement pas assez. Et je pense que vraiment, ça, de pouvoir le crafter n'importe où, avec les pochettes, ça va vachement nous accélérer la possibilité de craft très rapidement. Donc c'est comme ça qu'on va le faire, je pense. Et hop, à la fosse les cancres là. Oui, parfait. Ça c'est fait. Le dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. J'ai besoin que tu le fasses. D'accord. Non, non. Tu peux arrêter s'il te plaît. Est-ce que je peux descendre ici? Là, faut que je revienne là-bas. Et bah c'est reparti. Vous vous en sortez? Oui. Comment ça va, Hugo? Ça va. Mais on vous entend crier. T'inquiète pas, l'orage couvre nos voix. On ira bientôt tous voir la tour. Oui. Bonne chance. Merci. En fait, je sais pas pourquoi ils nous ont fait venir au château. Hein. Franchement, pour l'instant, on y va parce que on fait tout ce qu'on nous dit. Mais on sait pas trop pourquoi, à vrai dire. Ok. C'est un peu mieux. Ah bah elle est venue finalement. Ok. Et tu m'aides pas? Alors. Et c'est ainsi que le cookie s'est mis. Non, ça marche pas? Le château d'ombrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein. Je. Ok. Allez. Faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord. Je descends. Ok, je descends. Oula, c'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Ah là, les poches là, vraiment, ça nous arrangerait là. Comment je vais faire pour monter? Tu dois avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Je pars d'ici à l'Amazon. Faire une histoire. Très drôle. Ok, donc là il y a un brasier, machin truc. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2. Enfin, j'en crée. Fais chier. Ok. Qu'est-ce que j'ai à allumer là-bas? J'arrive pas à voir. Là, il y a une torche, ok, on y va. Amicia, arrête de rêver. J'ai besoin que tu me renvoies le brasier. Oui, oui, je m'en occupe. Elle est un peu exigeante, elle, hein, quand même. Hein. Alors, comment qu'on va faire ça? Ok. Ça c'est quand même pratique, hein. On va pas se mentir, ça nous sauve quand même bien le cul. Pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade.
pas dans ma version de l'histoire. Elle est où? Ok. Et je vais remonter. Non. On va remonter là. Ok, donc là ce qui reste concrètement, ça on l'a déjà fait. Faut que je lui demande de venir là en fait. C'est pas celui-là, du coup c'est l'autre. C'est l'autre, il faut que je remonte. Ok. Ok. Donc là, faut que je remonte là, si je comprends bien. Ah, y'en a un qui bug. Quoi ? Mélie la furie ? Je t'avais dit que tu me connaissais pas. On a réussi. On les a repoussés. Le château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec ? Ouais, on peut faire ça, effectivement. C'est parti, venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Il y aura probablement plein de matos à récupérer. Avec un peu de chat, au moins 3 tissus. On puisse se faire les poches niveau 2. Ah, c'est plus joli quand il fait beau, c'est clair. Cauchemar. T'es déjà debout ? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Doucement, j'ai vu qu'il y avait plein de trucs déjà ici. C'est Lucas ! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Parfait, il me reste un tissu. Déjà, là, il y a un deuxième kit, ça c'est parfait. Je ferais mieux de rester avec Hugo. Oui, mais Hugo casse un peu les couilles. Ah oui, d'accord, il ne veut pas que je sorte. Okay. Et Hugo, il veut m'amener là-bas. Moi, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là-bas.
Et... Hugo m'attend. Je ferais mieux d'y aller. Oui, mais Hugo, il casse un peu les pieds, là. Hein, hein, si tu veux le fond de ma pensée. Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. D'accord, donc ça va vraiment être notre repère, quoi, finalement. Un qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Ok, ok. Donc ça va vraiment nous servir de repère, j'ai l'impression. On va pouvoir stocker des trucs, etc. L'alchimie fascine autant les hommes de science qu'elle inspire les artistes. Le symbole récurrent du lion dévorant le soleil est une allusion à la dissolution alchimique. L'opération durant laquelle le vitriol s'attaque au soufre a pour but de séparer les substances brutes des substances subtiles. D'accord. Et tu veux pas descendre là, gamin, là? J'aimerais bien voir ce qu'il y a en bas, là. Donc, je me rappelle qu'il y a un étage. Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Il me faut un tissu. État, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui, oui. Un cuir, c'est toujours bien. Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Tu m'as pris pour ton hiérarche, quoi, en fait, c'est ça que tu m'expliques. Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Putain, j'aime pas être pris pour un larbin, là. Ça m'énerve. Tiens. En plus, je me déplace à deux à l'heure, là, c'est chiant. Là, ces trucs, je peux pas les ramasser puisque j'ai l'inventaire plein. Ouais, c'est ça dont il a besoin. Les alchimistes ont vécu ici. Non. Laurentius aussi, peut-être. C'est quoi la fiole dont il me parle, là? De quelle fiole il parle? Y a rien avec lequel je peux... Ah si, c'est ça, ok. Oh, ça doit être ça. Ok. J'espère que la concoction va être efficace. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la Macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Pierre. Ça me rassure pas trop, il a sorti une formule de son cul. De l'ange, le couronnement alchimique. Gars, il a 8 ans, là, et on lui fait confiance aveugle. Censé faire ça. Oh. Ok, super. Je me doutais. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo. Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. Ok, bon, en tout cas, c'était pour nous montrer qu'il a un espèce de repère où il crée des potions, quoi. Ok, donc c'est au premier étage, entre guillemets. Mais non, je veux aller en bas. J'ai envie de voir ce qu'il y a en bas. Descends, tu veux venir? Ah. Comme ça. Voilà, enfin c'est lui qui m'écoute là. Non mais attends. C'est bon aussi là. On va pas se laisser faire par un gamin. Oh, une tombe. Sûrement les propriétaires. On peut dire quelque chose si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie, mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Excellent. Alors. On a eu un au fait, tribute, find the tomb. Ok. On est sur du au fait utile, quoi. Mais s'il pouvait me filer un tissu, quand même, ça m'arrangerait bien, 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 bien. Hein, parce que là... Là, on craft la poche et on va pouvoir aller ramasser tous les autres trucs qui traînent pour débloquer le maximum qu'on peut porter. Et ça va vachement nous aider. Parce qu'une fois qu'on a ça, après, on pourra crafter ça plus tard pour pouvoir se permettre de crafter ce qu'on veut n'importe où sans avoir besoin de trouver des espèces d'outils. Là. Toi, tu voulais remonter, oui, d'accord.
Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle... Ah, elle est voilà. Peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Pas mal. Pas mal du tout. Ok, donc là, il va falloir que je redescende chercher un peu tout et n'importe quoi. Eh ouais, mais désolé mon petit loup, mais là on va devoir descendre puisque maintenant j'ai débloqué le maximum. Enfin, le maximum non, c'est 22, mais j'ai augmenté mon maximum, quoi, on va dire ça comme ça. Ici il n'y avait plus rien, ouais. On va redescendre. On va avoir du travail. Oui, bah te plains pas, là au moins t'as un lieu où cricher, c'est quand même mieux que de se faire bouffer par les rats. Ah, je te jure, jamais content. Alors, il y avait un truc à droite ici, ouais, hop, hop. Un truc là. Nous, là, ce qu'on aimerait faire, vraiment... Ouais, donc là, on est en dèche de tissu. Augmenter les munitions. Ça a l'air bien mieux. Ok. Du coup, bon, là, de toute façon, je vais avoir un peu de temps avant de trouver tout le reste, donc autant améliorer. Hein. Je pense que j'ai bien fait. Hop, 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 hop. Allez, on peut remonter. J'aime bien la musique, moi, elle me détend. Si par moment elle est un peu stressante, mais bon, c'est un peu le but. Du coup, je sais pas trop ce qu'on doit faire là. On doit retrouver la nana qui nous a aidé. Ça fait des siècles que ce château est vide. Ah oui, deux jours, on se rend un peu mieux compte. On rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie, alors t'es pas partie? Viens. Faut qu'on parle. Nous savons pourquoi il y a un rouleau de cuir ici, mais bon, on prend. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Bah oui. C'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors... Tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Ouais, c'est un peu compliqué là. Je le trouverai. Amicia, viens voir! Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Eh ouais, tu vas te calmer direct. Tu vas te calmer direct. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce que tu as trouvé? Ok, je peux pas monter là, donc je suis vraiment obligé d'aller voir. C'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens, je te suis. Ok, donc là, il est en train de me dire qu'il a vu un truc que j'ai pas vu. C'est ça qu'il essaye de m'expliquer. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez, par ici. Ah, où vous allez? Oh là, il va tomber. Oh, il va tomber, ce con. T'es fait de nouveaux amis? Oui. Bon, pour un gosse qui était hyper malade, ça va, il a pas fait des méga crises de l'enfer. Bon, évidemment, il avait ses crises au pire moment, hein, forcément, mais ça allait, quoi.
Il a l'air d'être ok finalement. Il fait. Amicia? Il les laisse pour qu'on puisse se faire repérer. C'est logique, mais bon, si justement ça aurait peut-être pu leur servir aussi. Pardon d'être malade. Ah oui, non. Ah oui, j'avais pas vu qu'il était bien. Non, non. Il suffit que je dise ça. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas! Viens voir les papillons! Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Elle s'étend, Lucas. Ouais. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir... Elle a vraiment une sale gueule, elle, hein. Je vais m'en occuper. Hugo? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Ok, donc il aimait pas que je le laisse... Père. Mère. Ok. Vous serez toujours ici. C'est la grande salle ? J'ai tout, on peut y aller. Hein. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Allez, l'acte 8 qui est fini.